Ça y est, on y est. Alléluia. Les pyramides de Giza. Alors le seul problème avec l'Égypte, c'est que rien que le taxi, j'ai pas voulu prendre ce que l'hôtel proposait. Donc l'hôtel il proposait à 40$ d'avoir un guide qui t'emmène et qui t'évite les problèmes que j'ai eu, mais je voulais justement voir, alors j'ai pas filmé pour le coup. Il y a toujours des problèmes avec l'Égypte. Et ça gâche l'expérience. T'arrives ici devant ce monument magnifique, enfin ces monuments magnifiques, et le taxi, du coup, bon, forcément ça coûte pas le même prix. Il n'y en a pas pour 40$, hein. Il y en a pour 100 égyptiennes pounds. Sauf que du coup il s'arrête en plein milieu, mais je le sentais venir parce qu'il parlait avec quelqu'un au téléphone. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il fait en sorte de... Alors il y a des mecs qui vont venir vers moi, c'est sûr, me demander des trucs, comme à l'habitude égyptienne. I'm good brother, thank you. Friends. Enjoy. Bon chance, bon voyage. Merci. Vive la France. I'm good. Ah non, I don't need, it's okay. Oh good. Voilà, on a le droit de refuser des cadeaux aussi, surtout quand je connais la musique maintenant en Égypte, quoi. Et donc du coup le mec il discutait avec quelqu'un au téléphone et je sentais bien l'entourloupe qu'il allait stopper. Donc au milieu de la route, sur le chemin, il stoppe pour qu'il y ait quelqu'un qui me prenne en calèche et en chameau. Et bien sûr, en faisant ce genre, il travaille pour le gouvernement. Ça c'est le problème de l'Égypte. Faire confiance. Et pourtant je le sentais bien. Bon, connaissant la musique, Je lui ai quand même proposé de m'attendre en lui payant ce genre. I'm good, thank you, brother. Ah, I just walk. Walk is good. That's a nice horse. Look good. Where do you come from? Yeah. Where do you come from? Ah, I come from France. Yeah, it's me, Jean. Okay. Even later, Jean? The what? Even later? Maybe later, yeah, maybe later. I just want to walk a little bit. You know, we are driving for 1 hour. Yeah. Huh? That's amazing, huh? Yeah, I wait here, maybe later. For yeah, maybe later, yeah. Okay. Okay, good. Thank you. Alors, personnellement, je pense que je ferai du cheval dans un autre pays. Je vois pas l'intérêt d'en faire ici. Chameau ou dromadaire ici, pourquoi pas. Ça prend plus sens pour moi par rapport à l'expérience. Donc évidemment, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de monde, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde que ça, tu vois. Bon, et je suis le seul Gugus qui marche sur la route. Allez, on va marcher là où il y a des touristes. En fait, ce qui est surprenant, c'est que j'ai vu des photos et des vidéos des pyramides de gens qui se trouvaient à côté. Et ça paraît plus petit en vidéo et en photo qu'en vrai. En vrai, il y a un côté quand même assez impressionnant. Et en fait, quand tu regardes de loin la pyramide, tu vois les petits... t'as l'impression que c'est des petits cailloux. Mais quand tu regardes de près, tu t'aperçois que c'est vraiment des gros blocs en fait. De loin, il y a une... Honnêtement, c'est mon ressenti, hein. Quand je suis arrivé de loin, je me suis dit, en fait, ils ont pas l'air si gros les cailloux. Et quand tu regardes, c'est quand même balèze. Bon, on va faire en sorte d'avoir un petit tour en chameau ou en dromadaire, dans tous les cas. Donc forcément, si t'as envie de t'esquiver des problèmes, moi j'aime bien faire les expériences à la locale, pas faire le tout en mode trop organisé. Il y a un endroit qui est touristique, je me débrouille par mes propres moyens pour y aller. Ça fait partie de l'expérience. Mais forcément, si tu veux t'économiser la peine de te retrouver au milieu de l'autoroute avec devoir négocier avec des mecs qu'en fait là tu sors du taxi s'ils continuent pas de conduire et que tu veux pas passer par ce mec là qui sort de nulle part, et bien forcément. Je te recommande de payer 40$ et de faire avec un,
d'organiser ça avec ton hôtel quoi. Bon, je sais pas si on a le droit de faire ça. Peut-être illégal. Voilà. Sachez qu'il y a la police aussi qui est ici. Qui d'ailleurs devrait gérer un peu plus les aléas. Les aléas des gens qui cherchent à t'arnaquer. C'est surprenant de se dire qu'il y a un intérieur en fait. Et d'ailleurs c'est surprenant qu'il y ait des chiens errants dans un environnement où dans un environnement où il y a des touristes. Ça tape hein. Ah parce qu'il fait 40 degrés au final, je pensais qu'il faisait 37 mais il fait 41 à l'ombre. Enfin hier il faisait 35 à 23h du soir. We're good. Nice to meet you. Nice to meet you. Later, later. À chaque fois avec toutes les... ils ont des véhicules de police, c'est tourisme police. Donc c'est pas la police pour éviter que les touristes se font harceler, c'est la police pour éviter que les touristes montent sur des blocs. Alors il faut bien comprendre qu'il faut le maintenir et que s'il y a des milliers de personnes qui montent sur les pyramides, elles vont se dégrader. Mais 90% des gens n'auront pas le courage de monter en haut dans tous les cas, hein, parce que ça fait un... On s'en rend pas compte, là tu tombes, c'est fini. Hein. Tu n'auras fait que le chemin à aller, hein. Tu n'auras pas fait le retour. Enfin, tu l'auras fait, mais pas dans la même condition. Je sais pas si tu te rends compte, mais le mec là avec ses chevaux, il demandait 3 fois plus que le taxi que j'ai pris. Enfin, il me demandait 200 de base, hein. Mais j'en ai eu pour 100, une heure de taxi. Et le mec avec ses chevaux, il me demande 300 pour une heure. Et en plus, je te garantis que ça n'a pas duré une heure. En vidéo, en caméra, ça fait plus petit que ce que c'est quoi. Bon, alors j'ai tendance, c'est comme les taxis, à choisir le taxi que je prends plutôt que laisser celui qui vient à moi quoi. Bon allez, je vais lui demander à lui. Salam. How you doing? Good. What's your name? My name is Nasser. Nasser, nice to meet you. It's me, Jean. Bonjour, Monsieur Jean. You good? Right. How much? For the ride? Yeah, for just a look around. Okay, hold this. But how much? I ask you the price. Yes. No, you don't ask me the price. Tell me the price first. You have Egyptian money? American money? Egyptian money, yes. 500. No. Oh, where you go? Wait a second. Oui. Of course, if you lose all the money, I understand it's expensive, man. No. No, 100, should you like just 10 minutes, look around. Oh, 10 minutes, okay, 200 Egyptian. If you want to go this place, because this is panorama. Panorama view. Panorama view, okay. Panorama view. We can go there? Yes, you can go there. Okay, how long is it? It takes about half an hour to go and back. To go and back? Yes, going back. Okay, this for 100. No, this 100, okay. This picture, little right. Okay, 150. I ask you 300 Egyptian, because you're French. Yeah, but because you put the time 3 times more. Oh, come on, I'm very easy. Okay, 150, huh? No, 300. No. Go on back. No, 150. 150 is good. 200, no. Okay. 5 euro. Okay, 200. No. 200 livres. Okay, 200.
Yes. Okay. Well, I put this here. No, give it to me. I give it to you. You're right here. Okay. Mm-hmm. Where I go? Oh, here. Yes. Wait. Yeah. Wait. You start up here. Yes. Oh. Hold tight here. Yeah. Lean your body back. Okay. Lean my body back. Yes. Oh. Yes. Oh boy. And it was just one for the foot or two? Yes, just only one for sit up on the camel. Ah, okay. Different horse. Okay. Okay. Thanks for the information. Yeah, it's very take high. Care yeah? of you, you take care of me later. If you want 1 hour, 500. Half an hour? No, half an hour. Okay. Half an hour is good. Okay. I take care of you, take care of me later. Yes, of course. Of course. What's your name again? Jean. Welcome, Mr. Jean. Yeah, oh, you can say it. Sometimes people have difficult time to say my name. Yeah. Oh, c'est. On s'en rend pas compte, mais à une main. À une main, c'est assez costaud, hein. Oh, that's a very nice job you have, man, hein. Yeah. Oh. Je vais peut-être prendre la main droite, hein. Dès que c'est plat, parce qu'avec la main gauche, tu sens que c'est. That's challenging, hein. Alors, faut que je change de main. Oh, y a, attends, y a une marche. Eh, je contracte ma main. C'est bon. Ouais, je suis plus à l'aise avec ma main droite. Oui. Voilà, parfait. Oi, oi, oi. Traffic. Ah, you cannot go when there is people. Bon, j'ai éteint et redémarré la caméra parce que il y a agent de sécurité et police et de par ma première expérience quand je suis arrivé à l'aéroport, ils m'ont demandé de supprimer vidéo. Oi. Maintenant, vu comment c'est, j'ai pas l'impression que le chameau, en fait, il me sent. Peut-être qu'au bout d'un moment, il est fatigué, hein. Mais, je sais pas, tu sens la puissance du truc. Je sens que c'est costaud. J'adore faire des petits sauts. Et d'ailleurs, j'ai regardé de loin. Les chameaux, ils font des petits mouvements de gauche à droite. Je sais pas si tu peux peut-être le voir. Oui. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quand il tape avec le bâton, est-ce que ça lui fait mal ou est-ce que ça fait comme une petite tape qu'on met avec la main au chien pour le remercier? C'est difficile de savoir ça. Bon, je peux garantir que le tour il va pas durer 30 minutes, mais ça le fait dans tous les cas. Tu vois, moi je trouve que c'est toujours plus agréable quand tu vas vers eux, que eux viennent vers toi. Parce que quand ils viennent vers toi, en fait, ils t'agressent. Tu vas négocier pendant des heures. So you kind of live in the pyramid. You spend all the time here. So you walk from like what? You walk all day here? Il est en position de méditation, Jean le chameau. Alors, j'avoue ne pas trop connaître l'histoire des pyramides, hein. Je vais pas faire monsieur Guiz. Le seul truc que je sais, c'est qu'ayant écouté pas mal d'interviews de Abraham Hancock, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il y a des théories comme quoi, alors ça faut pas trop le dire, hein, parce que c'est mal vu, que ce serait pas les Égyptiens. Ce serait une civilisation d'avant, parce qu'en fait, il y a plusieurs preuves que ce soit sur le Sphinx, qu'il faudrait que j'aille voir d'ailleurs, je sais pas où il est. Ainsi que les pyramides ont été refaites sur l'extérieur et c'est pas les mêmes matériaux utilisés, donc ça serait une des preuves que ça remonterait à plus longtemps que ce qu'on pense que ça remonte, et il me semble que c'est 6000 ans, mais voilà, prends pas mes mots pour garantie parce que je suis pas sûr de moi là.
disposition. Allez, sans les mains. C'est une bonne expérience, c'est la première fois que j'en fais. Je sais plus si camel, c'est chameau ou dromadaire. Donc supposément ici à un moment donné il devait y avoir de l'eau hein. Parce qu'il ne peut pas vivre dans le désert comme ça hein. Il devait y avoir de la flotte hein. Changement climatique. À nouveau, je sais pas ce que je dis hein. C'est pure supposition. Mais j'ai du mal à voir des gens vivre ici. Parce que quand je regarde soit l'Australie ou autre, il y avait peu de peuples qui vivaient dans les terres. Ils se sont rentrochés dans les terres de par la colonisation. Je suis pas là pour faire un cours d'histoire. Mais c'est souvent le cas que les habitants sont sur les côtes près de la mer. Et avec le temps qui se retranche dès qu'il y a une invasion externe. Hop là. How long have you been doing this job? Me? How long have you been doing this? 32 years. 32 years? Yeah. Oh, since you were a little boy. I am young. How old are you? 51. 51? Oh, you look good for 51. Yeah, that's true. C'est intéressant, j'aimerais bien savoir pourquoi cette pyramide là est moins abîmée sur le dessus. Et d'ailleurs on voit que de base c'était comme si c'était recouvert en fait. Et avec le temps ça s'est peut-être effrité et on voit les cailloux, mais peut-être que de base en fait on voyait pas les cailloux. Ça faisait tout lisse. Intéressant. C'est plus facile en tout cas faire la balade ici quand c'est plat. Lui il a son petit cheval là. Et c'est sympa de savoir faire du cheval. On est quand même beaucoup plus haut que ce que tu imagines sûrement. Silence. C'est quelque chose que je pensais pas que j'allais avoir la possibilité d'obtenir ici. You bring me to very nice place, it's very quiet. I like it. You like long ride? I can do for you the long ride. No, this one is long fine. Ride, you know why? Because you can see the nine pyramids by the area. Here you have nine pyramids, that's the only. Oh. Nine pyramids, six is smaller and three large. That's you, because you are like it every day. But, ah, that's nice. Let's go to just the first one and we see after. Because I don't have all the time in the day. Je suis un peu en mode pressé parce que j'ai quand même mon check-out à faire. Ah, just by myself. Yeah, I have to check out. Yeah, today. What time? No, 1 p.m. max, but I have to get back a little bit before. But yeah, I just want to, after walk a little bit by myself. Walk by the Sphinx, you need a key to the Sphinx. After we do the long drive up here, with panorama. And how far is the Sphinx? It's all together, 35-40 minutes, all together. Okay, and how much for the Sphinx and everything? You everything 500. No, but we are okay for 200 for like the short how one. How much you want to be short? True, 300. 300 is good, man. 350. 300, man, is good. You happy? Make me happy, Joe. No problem. But you will be happy with 300, I'm sure. Okay? Allez, wonderful. Chocolat.
Okay, 300. Yes. Shukran. Good. De toute façon, quand tu y réfléchis, ça fait très bien payer de l'heure pour ici. Hein. Si tu te bases sur le salaire, j'ai pas regardé, mais ça m'étonnerait pas que ce soit autour de 200-250 le mois. Et que là, allez, on va être gentil, on va compter une heure alors que c'est moins. Après, il faut le temps qu'ils trouvent des gens. We're already full, man. You can bring more than two people on... Ah. Donc ouais, donc ça fait 10 balles de l'heure. 10 balles de l'heure, quand tu réfléchis, quand le salaire moyen il est à 200-250, c'est rentable le chameau. Par contre, ça j'avais supposé, j'avais eu une expérience quand j'étais tout jeune, j'étais mineur avec mes parents en Grèce. Je me souviens que l'âne m'avait trucidé les cuisses parce que j'étais en short. Et j'ai pas retenu la leçon. Je suis venu en short et clairement, ça picote. Ça picote, ça frotte, malgré les tissus et tout ce qu'ils mettent dessus quoi. C'est intéressant, le fait de venir ici, en fait j'ai toujours voulu venir ici. Sans savoir pourquoi, hein, c'est l'influence de ce qu'on te montre sur internet. Mais ça me donne envie d'en savoir plus sur ces petites pyramides. Une bonne miniature ça. Ça que la caméra va pas. Ça, elle a pas l'air d'être super chaude. On se rend pas compte, mais en fait les caméras elles sont pas faites pour rester sous 40 degrés à l'ombre, 55 sous le soleil. C'est pas fait pour. Ça va, c'est relativement. Je sais pas comment, sur quoi on peut se baser, mais si on se base sur l'Europe, c'est sale. Mais si on se base sur ce que j'ai vu en Égypte, c'est relativement propre.
Il y a 2-3 bouteilles en plastique. Déjà, pourquoi le gouvernement vient faire ça? Donc, évidemment. Jean? Ouais. This is you. Ah, amazing, man. Ok. Now I make a picture of you. Ah, good. It's on video, but you can just. All right. Take it, I will take from the video. Okay. Oh, you manage all this. Oh, yeah. Keep back. Close back. Close stop. I don't push anything? No, just like this. Just like it's fine. This. Yeah. Let's try to. Oh, yeah. Looks good? Yeah, of course. It's closed. Thank you, man. The time is a finish. Good. Shukran. I give you this one. Yes. Because if he starts to run away. We'll go to these things, okay? Okay, let's go to the things. Ça va bien? Ça va très bien. Well, check your video before move from here. Can I check your video? Yes, you can see. We don't see much after. All it's right, okay, okay, it will be fine, I'm sure. I'm not like. I'm okay. I don't need like, you know, to take 10, 15 pictures. Comme ça, c'est bien aussi. Is that boys or girls? Like male or female? Boy. Their camel is named Alex. Alex? Alex. Oh, why did you give a Western name? Huh? Why did you give a Western name? Everybody like this name, you like Alex. You like Alex? Funny man for girls. So all the camel ride is just male? Yeah, all camel boy here. All camel boy. And why don't you take a female? Female in the desert for the child, you know? Mm. Ouais. Bon, là pour le coup, on peut dire que c'est ça. And what type of food do you give them? I give them green clover, and the night we give them halfa, grass. Ah. And what does they prefer, rice or? Yeah, the grass better. Let's give them enough water, butter, you know? Mm. And they eat like once a day or like every few days? They eat 2 times a day, 3 times. Oh, okay. And water? And water, he take about 7 liters in a day. Eight liters. Okay. And you keep them in your house? Yes. So every morning and every night you go back to the road with them? Yes. Everything's okay? Everything is great, man. How is the tour? Is good? Very good. Now we'll go to Sphinx, okay? Yes. We'll finish this. Okay. Donc là, il y a des trous là, j'irai voir à pied. Ici, il y avait des passages sous terre. Moi, je sais qu'il y avait sûrement des trucs sous les pyramides, hein. Mais de le voir, c'est différent, de voir tous ces cratères en dessous. And this is like la tunnels. The tomb. Tomb. C'est la tomb. Ah, it's a tomb. Yes. For people work to build the pyramids. And how long does a camel live? Like 22 years. 22 years.
Tu me diras si tu sais dans les commentaires, mais est-ce que... Tu sais, ils se momifiaient, c'était pourquoi ? Pour se préserver. Est-ce que ce serait pas la même... Ils n'étaient pas dans le même délire que le délire dans lequel des gens très prospères sont, c'est-à-dire de vouloir se cryoiser, enfin se congeler le corps. Sauf qu'avant, ben, en fait, afin de se décongeler plus tard, quand on leur a trouvé un remède pour la longévité, est-ce qu'ils n'étaient pas dans le même délire, les pharaons ? Avec une méthode différente. Dis-moi ce que t'en penses, ça m'intrigue. Ouais, honnêtement, une heure là sous le soleil et encore c'est le matin. Une heure sous le soleil comme ça. Ça va bien ? Ça va très bien. Non, enfin non, it's good. Ok. Ok. Oh yeah. Oh, they are not friends. Yeah. They are not friends. Huh? Why does he do that? Ich mean get down. Ah. It's Egyptian, not French. Ah. Are you sure you don't want more picture? No, I'm good. Good? Okay. Yeah, good. Bad. They don't like going down? Oh, oh, he like. He like? Yes. It's difficult for them, huh? Yeah. Not yet. Come back. Wonderful. Oh, yeah. Education. Thank you, buddy. I hope you make me happy, me and my camel. Yes, for sure, man. You need to feed them. Yes, I need to feed them. Give them a good chance. So, what's that? I got 200 for my bakshish, okay? Here you go. Is that for my bakshish for me? No, it's okay, man. Look. You make more money than most of the Egyptians, huh? I know, I'm good in math. Okay, thank you, it was very nice. I really appreciate it. Street way. Now, yeah. Inside the Sphinx. Wonderful. Thank have you. A good time, Jean. Thank you. Bon, c'était sympa. Hein? J'ai eu mes moments de silence que je voulais. Mais bon, en fait, tu vois, il te laisse à un endroit où il faut marcher, quoi. Mais ça fait partie du truc. Et je voulais marcher, donc tout le monde est content. Alléluia. Mais c'est là que tu t'aperçois que tout n'est pas vraiment respecté comme ce qui est dit. On va là-bas et on revient. Et y a pas ça. Les bakshish, c'est tips. C'est pour boire. Oi, 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 oi. Honnêtement, après une heure sous le soleil comme ça, t'as juste envie de rentrer à l'ombre. Dans l'environnement climatisé. C'est ultra épuisant. Il faut que je trouve de l'eau. I'm good. $1. Yeah, but I don't need it. Bon, s'il y a bien un truc pour lequel faut le mettre, c'est qu'au moins, tiens, ils sont pas là juste quémander. Ils vendent quelque chose. Et ça, je trouve que c'est respectable et honorable. D'avoir des gens qui sont pas juste là en train de te demander de l'argent. Ils essaient de te vendre quelque chose, un service ou un produit. Et ils font peut-être pas de la meilleure manière qui soit, mais je pense que si t'as pas très confiance en toi, c'est sûr qu'ils vont te vendre ce qu'ils veulent te vendre. Parce qu'ils sont très dans le rentre-dedans. Et il faut avoir une certaine posture pour dire non. Attends, on va voir ce que ça donne. J'ai accès à une tombe aussi. C'est bizarre de dire ça comme ça. Je sais même pas où elle est. Mars, un tombe. Je sais pas où c'est ça. Hey! Welcome! Thank you! Slippery. Bon, il y a tellement de touristes que je vais peut-être poser la caméra, c'est pas très fun. On va voir.
J'entends des gens dire qu'il devait être peint. Mais c'est vrai que quand tu regardes, tu vois des teintes de couleurs qui ne sont pas forcément des couleurs de pierre. Et donc là aussi, il y aurait des théories comme quoi, en fait, de base, c'était un mur. Et que ça a été refait. C'est pas le même type de pierre. D'ailleurs, on peut apercevoir que c'est pas le même type de pierre. Hey, can you tell me where is this one? But where is it? One song. The tomb for other side. Other side? Go outside. Go to street right again. Go to small pyramid. Yeah. The security man to open the cage. You go to open. Thank you. Special tomb. Beautiful tomb. Wonderful. Thank you. Go to right. Go. Right again. Right again. Thank you. Okay. Hey, I'm good. No, I just want to walk now. The camel? No, a camel already done. No camel? No camel. Elephant? Hmm? Elephant? Elephant? Helicopter? Yeah, helicopter would be nice, huh? No, you have one? Horse, right? Jordan, no, I'm okay, man. No, to be honest, I just want to walk. No, 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 I've done it. But it's okay. It's okay, man. En fait, une des techniques, c'est juste de marcher et en fait, il baisse le prix par lui-même. I'm good. Bon, il a compris au bout d'un moment. En fait, quand tu pars, il réduit le prix et après, sinon, il y a une technique qui est pas agréable et pas respectable, mais parfois, t'as pas trop d'autres options. C'est juste d'ignorer. Si vraiment. Parce qu'en fait, quand tu interagis avec eux aussi, la discussion peut être beaucoup plus longue parce qu'ils vont jamais s'arrêter que si tu les ignores et que tu ne dis rien. C'est pas agréable, hein, c'est pas. Mais c'est une technique de défense, on va dire ça comme ça. Bon, allez, j'ai fait le petit tour. Je vais aller voir la tombe. Je crois qu'on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur. Je vais voir si j'arrive à te partager 2-3 petits trucs, mais j'ai vu que c'était interdit en tout cas. Et je te dis à plus tard. Allez, ciao.